nous accueillons maintenant Christophe de Chavannes et Patrice Carmoz. Et avec. Bonjour, très heureux. Je suis content de vous rencontrer depuis le temps que je voulais vous voir. Bah écoutez, moi aussi, depuis le temps Christophe de Chavannes, c'est incroyable. C'est fou. Comment ça va, Christophe? Très bien, depuis le temps que je ne vous ai vu. Mais c'est vraiment longtemps, Oh, enfin, on a travaillé quand même. Oui, j'ai un petit peu travaillé, monsieur Carmoz. Alors, Sydaction depuis toujours, hein, Christophe. Alors, Sydaction depuis toujours et Sortez Couvert. Sortez Couvert encore depuis. Voilà, donc avec des installations de distributeurs de préservatifs dans les lycées. Un petit coucou à la ministre, le ministre Valérie Pécresse, avec lequel nous avons pris des engagements il y a maintenant une petite année et qui serait sur le point de se conclure si tout était suivi. Donc, je sais qu'elle suit ce dossier de près et que le millier de distributeurs de préservatifs que nous avons prévu ensemble de distribuer dans notamment les facultés et les CROUS, etc., va être suivi des faits. Donc je la remercie à l'avance de terminer le chemin que nous avons fait. C'est toujours la meilleure de prévention. C'est la seule prévention. C'est aussi un moyen de contraception, donc pourquoi pas. C'est le seul moyen de ne pas attraper de maladies sexuellement transmissibles. Et c'est le seul moyen aujourd'hui de se prémunir contre cette saloperie de maladie qui est toujours là. Encore pour la France est un peu en retard là-dessus. La France est très en retard. Et sur la prévention, j'en parle même pas. Donc voilà, c'est vrai que le prix de la capote est un obstacle et que l'affaire à 20 centimes, comme nous le faisons avec Croix Verte et Ruban Rouge depuis des années, ma foi, peut aider certains jeunes, un peu sans le sou, de pouvoir se prémunir et se protéger. Merci en tout cas. Merci pour cette cause que vous défendez depuis toujours, Christophe. Messieurs, voici la pyramide de gains qui vous attend. On appelle le 110 pendant ce temps-là aussi, n'hésitez pas à le faire. 800 euros la première question, 1 million d'euros la dernière, deux paliers, 1548 000, 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Ok? On y va. Moi je suis pas très. On n'est jamais très content. Non, on n'est jamais très détendu. On n'est pas très content de venir parce que c'est une cause qui mérite de se déplacer, évidemment, mais on préférait que ça n'existe pas. Et puis deuxièmement, on a toujours peur. On est jamais très à l'aise. Voilà, on préférait se battre pour nous. Et ce serait soit de l'argent pour nous, voilà, plutôt que de l'argent pour Sydaction, pour lequel il va vraiment falloir être bon. Bien sûr. Moi-même, j'ai la trouille quand je lis les questions. Bah, oui. J'imagine. Ça se voit d'ailleurs. C'est fou le risque que vous prenez. Voici donc Christophe et Patrice, ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Attention. Quand il se sent en danger, le hérisson n'hésite pas à faire du tai chi, à employer la force, à distribuer des mandales, à se rouler en boule. Bon, ce qui me concerne, je sais que la roupinette se range en boule aussi. Oui. Bon, on a fait du tai chi, mais dans d'autres occasions. Oui. On a employé la force aussi. Oui. Mais on va dire D peut-être. Oui, on va dire D. Vite. Excellente réponse. Bien sûr, il se roule en boule. Pas de temps sur les futilités. Vous avez raison, question au premier palier, 1500 euros. On peut aménager sa maison avec des meubles de style. De style Louis de Funès, de style Louis XVI, de style Louis Fernandez. Très bien, très joli. De style Louis Labrocan. Ah, Louis Labrocan. Louis Labrocan, forcément. On peut. Ah, oui, on peut. Oui. Bon, c'est moins onéreux que Louis XVI. C'est vous qui faites le lien de Funès, parce que... Je ne fais pas de Funès. Si, vous avez, on est parti. Non, je ne fais pas de Funès. Ah, on me dit que on a des... souvent dit qu'il ressemblait, voilà, qu'il avait quelque chose de Funès. Enfin, parfois, comme vous énerviez dans le bus, vous faisiez quand même... Je suis un imitateur de merde, donc... Mais justement, c'est ma nature qui fait que... Ah d'accord. On me dit, Madame de Funès, je crois que je vous l'avais déjà raconté, oui. Jeanne m'avait écrit une lettre fort gentille en me disant si Louis était toujours parmi nous, vous feriez partie de la famille, ce que j'avais trouvé délicieux, mais je n'essaie pas d'imiter. En revanche, vous faites très bien Louis XVI. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais alors, je le fais plutôt en B, vous voyez. En B. Ouais, plutôt en B, moi. C'est votre dernier mot? Oui. Je vous demande de vous taire. C'est la bonne réponse, en effet. Louis XVI. Je vous demande de vous arrêter. Son air de Louis XVI. Maladure, quelque chose de Louis XVI. Louis Labrocante, c'était possible aussi. Oui. Bon, on peut. On aurait pu. C'est bien, 1500. Vous arrêtez là? Oui, c'est bon, on arrête. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Voici la question à 3000 euros. Rigolez pas parce que c'est pas impossible. Qui surnommait-on Mr. Dynamite ou Dynamite? Dynamite. James Brown. Oh, je pense que c'est lui. Brown. Claude Nougaro. Peu de chance. Charles Benet. Peu de chance. Michael Jackson. Non.
Non, lui, c'est quelqu'un... Monsieur Dynamite, alors c'était qui? James Bond, oui, Mr. Dynamite. Yeah, James Bond, a priori, oui, James Bond. Le dernier mot? Oui. C'est ça, j'entraînais. Chante. C'était en effet James Bond. Bonne réponse. Le parrain de la salle. Monsieur 100 000 volts. Monsieur 100 000 volts. Ah oui. C'est pas moi. Qui? Laurent Gino. Très bon imitateur. Ah, faites-moi Beko. Ah, oui. Et voici Gilbert Beko. Allez-y pour voir. Non, c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Ah, oui. C'est l'ange du Bastien, ouais. Voilà. Mais crayez, c'est pas vous. Attends, parce que. Vous pouvez lui dire de s'arrêter. Non, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Je me permets, je peux prendre une seconde pour lui poser une question. On savait qu'on serait réunis ici. Mm-hmm. On m'a donné un petit carton et des papiers, des lettres à l'intérieur par des spectateurs. Ils m'ont dit, oui, monsieur Carmoz, est-ce que vous pourriez au moins une fois lui demander? Donc, je peux vous poser une question? Vas-y. Est-ce que oui ou non, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui imitez Philippe Noiret? Non. Ok, merci. Magnifique. Mesdames, messieurs, applaudissements. C'est ton numéro qui est assez... On l'a rendu en province, c'est tout. Magnifique, magnifique. J'irai vous voir à la tête de la... Il reste des places encore. Non, on est aux deux boules, non. Question à 6 000 euros. Chien tête en bas et chien tête en haut sont des postures caractéristiques du Kama Sutra. Oh là là. De la boxe thaï, du yoga, de la danse classique. Yoga, non ? Chien tête en bas, chien tête en haut. Ça sent le yoga, ouais. Ça sent le yoga, ça. Ça sent le yoga. Oui, c'est le yoga, ça. Oui. C'est pas le Kama Sutra, déjà. Kama Sutra, il y a des positions, enfin... Non, c'est pas ça. La danse classique, non. Ah, c'est yoga. Il n'y a pas de raison. Yoga. Oui, le yoga. Hein. Yoga. Yoga. Votre... Yoga. On ne le dit pas très fort, mais... Oui, on le dit pas. Yoga. Non, bon, évidemment, on aurait dit une énormité, ce qui ne semble pas être le cas. Vous auriez manifesté quelque chose. Ah non, t'es chien, t'es en haut, chien, t'es en bas. Votre chien est catastrophé. Il est catastrophé. Mais lui, il fait tête à cul d'habitude. Il fait pas... Dès que je dis chien tête en bas, chien tête en haut, il remue la queue. Normal. Peut-être pour le Kama Sutra. Peut-être. Ah, il remue la queue, oui. Mais je connais bien le catalogue du Kama Sutra. Il n'y a pas chien tête en bas. Il y a une autre expression. Mais... À laquelle, par exemple? Je ne peux pas vous le dire. Ce sont des postures caractéristiques du yoga, bien sûr, bon. Les postures sont souvent inspirées de la nature. Mmh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors que le Kama Sutra aussi. Bien sûr, parce que c'est pas plus naturel. Alors, trifacus, c'est très naturel, hein, je l'ai pour un chien. Le trifacus. La position du chien, trifacus. C'est ça, trifacus, oui. Façon de se dire bonjour, de reconnaître l'autre. Non, ils ont de la chance. Je vais demander des nouvelles. Voilà que le, par exemple. Ça Cinquième. Question. Variété, là. Pour 12 000 euros. Ah là là, très difficile. Là, je vois pas, moi. Qui les journalistes surnomment-ils DSK? Je vois pas. Très difficile. Il y a un piège, ou... Dominique Strauss-Kahn. Il y a un piège. Ah, attendez, non. Ouais. Ah, Dominique Strauss-Kahn. Ouais, Dominique Strauss-Kahn. Ouais. 3. C. Dominique Strauss-Kahn. Allez. C'est la C. C'est leur troisième, ouais. Ah oui, oui, pardon. Mmh. Ah, oui, j'avais... je crois que c'était une blague idiote. Non, pas non. Du tout. Enfin, non, c'est pas une blague. Enfin, c'est idiot, mais c'est pas une blague. C'est... Oui, c'était moins idiot qu'on pensait au départ, voilà. Non, c'est le C. Vous avez compris pourquoi il préfère écrire DSK. Oui, mais il le surnomme, il ne l'épelle pas. Je veux dire, votre question n'est pas... Pardonnez-moi, votre question... Alors attendez, je vais vous faciliter la tâche. Comment écrivez-vous Dominique Strauss-Kahn? Ah non, moi je réponds à la question, moi. Alors, c'est moi qui la pose, la question. Non, moi il y a écrit qui les journalistes surnomment-ils DSK? C'est marqué sur l'écran. Eh bien, j'ai la réponse, c'est le mari d'Anne Sinclair. Voilà. C'est la 3. Il fait très bien les steaks. Ouais. Il fait très bien les steaks et pour repasser un costume. Oui, il fait 800 grammes de steak pour deux. Hein. C'est ça. Oui, et 500 litres d'eau chaude pour repasser un costard. Il a quand même du mal à trouver où est le sel, mais. Ah non, on n'est pas là pour ça. Allez.
Comment vous écrivez Dominique Strauss? K-A-H-A-N. H-A-N, et puis Strauss, c'est S-T-R-A-U-2-S. C'est sur le CAN qu'on peut avoir. Non, c'est la C. La C. C'est votre... Oui, monsieur. Enfin, c'est pas moi de dire. La question. Pardon. C'est pas moi de dire, en plus. C'est un monsieur. Qui est un peu le leader du groupe. Absolument. C'est votre dernier mot? C'est un dame. Hein? C'est notre dernier mot. Oui, oui, oui. C'est un dernier mot, oui. Non? Non. Toi, tu fais trop bien. Mais acteur studio, quel acteur? Quel acteur, ce Foucault? Je le refais. Mais en fait, c'est le dernier mot? Oui. Que dit Adèque? C'est notre dernier mot. Oh non. Ah. L'actuel directeur général du Fonds monétaire international s'appelle Dominique Strauss-Kahn, oui. S-T-R-A-U-2-S, trait d'union K-A-H-N. Bonne réponse. Le Kahn. Bravo. Yes, we can. Yes, we can. Oui, yes, il avait ce mesure d'ailleurs. Oui, toute simplicité. Hein. Oui. 12 000 euros, toujours vos trois jokers, votre immense culture générale. Sixième. Un problème. Oui, un chat. Un chat. A cat. In the gorge. Non, in the throat. Oui, il y a un film. Enfin bon. Sixième question pour 24 000 euros. Jean Mermoz, l'aviateur Jean Mermoz, a disparu. C'est sûr. En Méditerranée. Putain. Océan Atlantique. Zut. La Manche. Le Pacifique. Je crois que c'est la Manche. L'aviateur Mermoz a disparu dans la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche ou le Pacifique. Ouais, c'est la Méditerranée, c'est Saint-Exupéry. Dont on a retrouvé l'avion il y a peu, oui. Traversé par... L'Atlantique, c'était l'Américain. Comment s'appelle? Il s'est fait enlever son fils. Oui. Hein? Et je crois bien que c'est la Manche, Mermoz, mais bon, je ne mettrai pas ma main au feu, comme dit l'autre. Prenez peut-être le 50-50. Oui. Bah oui, mais on ne sera pas plus avancé. On sera pas plus avancé. Hein. Alors ne prenez pas le 50-50. Non. Non, je joue la Manche. Moi, je joue la Manche. Tu crois? Attends, fais gaffe quand même. Ça faisait un peu, tu vois, ça faisait un peu. Oui, ça faisait un peu bête. Ça faisait un peu pitchoun de disparaître dans un si court. Trajet. Oui. Pour le 50-50, peut-être, non? On va avoir la Manche et le Pacifique, ou la Manche et l'Atlantique. Mais c'est pas la Manche. On va être content. Ou alors appeler quelqu'un. C'est con, ça. Moi, je dirais la Manche. C'est pas pourquoi la Manche dit quelque chose. Mais... Très français, hein, plus, hein. Franchement, prenez un joker, parce que si vous ne savez pas... C'est idiot, on est à 12 000 euros. Oui, c'est con, ouais. Ouais, c'est con. Voilà. Ben, on va... Est-ce qu'on fait un appel ou pour 50-50? Moi, j'appellerai si c'est ça, non? 50-50. 50-50? 50-50, mais si on fait la Manche publique, je crois pas. Ça dépend s'il est aviation ou pas. Non, parce que maintenant, on a dit la Manche, donc il oui, va avoir oui, une oui, réponse. Oui. Hein. Ouais, faut rien dire. Jean Mermoz aurait disparu dans la Manche, ce qui me paraît tout à fait être historique, mais pas prendre de risque alors, on va prendre... On va appeler quelqu'un pour après, non? Oui, peut-être vaut mieux garder, peut-être, non? On l'appelle? C'est pas 50-50 maintenant. Et si on se trompe, Atlantique, c'est pas Atlantique, Jean Mermoz, il m'en... Oui, il est mort dans la Manche, Jean Mermoz. On en a là, à Brighton, je crois. Ce qui est stupide. Je sais. Ah, il ne veut pas venir là. Ah, oui. Ce truc-là. Et vous diriez 50-50 plutôt? Moi, je dis, oui. Je vous qui avez l'habitude de. Je vous le dis depuis un moment, mais vous ne m'écoutez pas. Mais enfin bon. 50-50 alors. 55. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ouais. Putain! Comme vous dites. Donc, ce n'est pas la Manche. Il vous reste la Méditerranée et l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on dit à Jean-Pierre? Bravo, merci Jean-Pierre. Et celle-là, on n'est pas plus avancé? Ah non, on est mort là, donc il faut téléphoner maintenant. Là maintenant, on peut appeler quelqu'un, c'est plus simple. Ah bah oui, puis on va qu'il aura une réponse refaire à 50-50, mais il n'y a pas.
Peux-tu dire la Méditerranée? Je dirais plus rien, moi. Je dirais l'Atlantique. Moi, je dirais plutôt l'Atlantique dans ce cas-là, mais... Alors nous allons pour Jean Mermoz. Putain, deux jokers sur une question comme ça, on est nuls. Bon, tant pis. Juste ma grand-mère m'a parlé de Jean Mermoz 2000 fois. Méditerranée ? Hein ? En Méditerranée, là ? Il n'allait pas à Brighton pense, du tout. Non, je pense plutôt en Atlantique. Mais en même temps, les on va téléphoner. Les courriers, c'était les avions courriers, c'était. Il était dedans, lui. Il était quasiment facteur, lui. Il était facteur, un peu. Donc ils allaient un peu vers les pays arabes. Ce qui serait plutôt la Méditerranée. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc très bien. Dans le donc nous allons appeler. Qui ? Quelqu'un. Quelqu'un. D'accord. Jean-Pierre Foucault. Mais qui donc ? Nous allons appeler Claudine. Claudine. Qui est-elle, Claudine ? Vous verrez. Claudine. Claudine and Partners, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes qui cherchent. Ah non, pas du tout. Claudine est une personne a priori cultivée qui saura nous dire tout de suite. Très bien. J'espère. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans la vie, Claudine ? Elle est cuisinière. D'accord. Claudine, hein, c'est ça ? Très bien. Allô ? Oui, vous êtes Claudine ? Oui, enfin, je ne suis pas Claudine, malheureusement, non. J'aurais voulu dire, je suis Claudine, mais je n'ai pas la voix assez féminine, malheureusement. Non, je suis Stéphane. C'est Françoise Foucault au téléphone, bonsoir. Bonjour Françoise. Comment ça va, Claudine ? Ça va très bien. Je suis avec deux amis, Christophe et Patrice, qui ont une question très importante à vous poser. Oui. Deux possibilités de réponse, Stéphane. D'accord. L'une ou l'autre. On lui dit ce que ça concerne d'abord avant de poser la question. Ah non. Attention, top, c'est parti la question. L'aviateur Jean Mermoz a disparu dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique ? Jean Mermoz, M-E-R-M-O-Z. D'accord. Et c'est qui qu'il est mort ? C'est dans l'océan Atlantique, je pense. Ah ah. À quel endroit ? Sur ? Comment ? Sur ? Oui, je pense que c'est l'océan Atlantique. J'avais une hésitation avec Saint-Exupéry, mais non, mais c'est ça. Saint-Exupéry, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Eh bien, sur ce, moi je fais confiance à Claudine, mais qui se fait appeler Stéphane pour des raisons qui lui sont propres. Merci beaucoup. Ça a coupé. Claudine, donc, nous dit océan Atlantique. Je fais confiance à Claudine. Oui. C'est le dernier mot. Oui. Héros de l'aéropostale. Il nous a quittés le 7 décembre 1936. Il était à bord de la Croix du Sud. C'était l'Atlantique, en effet. Mermoz, quand même. Un Latécoère. La route d'Amérique du Sud, sans doute. Non, il partait. Oui, c'est ça, il partait vers le. Il faisait Toulouse-Dakar, je sais pas. Comment il s'appelait déjà son avion ? La Croix du Sud. La Croix du Sud. Eh bien, bravo à Claudine, qui est absolument charmante. Bravo à Mermoz, surtout, pour c'était extraordinaire ce qu'il faisait à l'époque. Vous qui avez été un petit peu avionneux, vous savez... Il a ouvert la voie à beaucoup, des gens comme vous, par exemple. Ou comme vous. Christophe, Patrice, on va se retrouver dans un instant pour la suite de notre aventure. Retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Vous êtes bien parce que vous êtes très concentré. Ah bah, la cause, est importante. Jeu. Christophe et Patrice, voici la question. Il est impossible, Christophe, de devenir pompier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris quand on n'a qu'une jambe. Quand on est une femme. Je crois pas, non, il y a des pompiers femmes. Hein. Quand on mesure 2 mètres. Ah, ça, c'est pas impossible. Quand on a 18 ans. Ça veut dire quoi ? Quand on n'a pas le bac. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire quand on a 18 ans. Quand on a 18 ans, ça veut dire quoi ? Il y a une date limite, il faut avoir 23 ans ou 21 ans. Comme... Pff, on n'a plus rien, là. Vous n'avez plus de joker. Si vous avez le public... Oui, on va quand même pas... Il est impossible de devenir pompier. Je crois qu'il y a les femmes. Non, je suis pas 18 sûr. Ans, c'est la majorité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des femmes. Moi, je dirais 2 mètres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des femmes. Pompiers femmes ou sapeurs-pompiers de Paris, hein, pas... Oui, pas partout. La brigade principale se trouve dans le 17e, je crois. Porte de Champéret. Ouais. Qu'on peut
pas être sapeur-pompier de Paris si on est une femme. Patrice, votre intuition, c'est quoi, pardon? T'es 2 mètres, moi. T'imagines, un mec veut être pompier pour sauver des vies humaines, et toi, tu fais 2 mètres, tu fais pas. Au contraire, plus besoin de grande échelle. Tu passes pas dans les cheminées? Ben, c'est pas des ramoneurs, hein, c'est des pompiers. C'est ça. C'est pas... Monsieur n'a pas tort, si je me permets. C'est pas le... Non, pas toi, tu es une c'est femme. Pas le Père Noël. On peut pas être sapeur-pompier de Paris, femme. J'ai jamais vu une femme dans un camion de pompier, si? Si, si. Moi, je dirais que... Vas-y, pas ça. Je suis sûr que... Est-ce que ça serait une discrimination? 2 mètres, alors. 2 mètres. C'est une discrimination aussi. Ah oui, on pourrait pas l'autre, oui. On n'a pas le bac, évidemment, il faut avoir... probablement... Enfin, il doit y avoir des équivalences. 18 ans, c'est quand même la majorité. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut être militaire à 18 ans? Alors, vous n'écoutez pas Patrice, donc? Hein? J'écoute Patrice. Ah, pardon. Non, pardon. Non, mais... Attention. Non, mais sur la proposition qu'il a faite sur les 2 mètres. Si, si, j'ai entendu. Ah, non, mais je l'écoutais développer, là. D'accord. Mm-hmm. Pour rentrer dans l'armée à 18 ans, on peut rentrer dans l'armée. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas être steward si on fait moins d'un mètre 72. Ah oui. Donc on peut très bien ne pas être, peut très bien pas pouvoir être pompier si on fait 2 mètres. C'est vrai que ça peut être un handicap, en fait. Dans le camion, dans la literie. C'est après tout le temps. Non, mais... Oui, mais même, oui, c'est ça, ça gêne. Enfin, c'est grand, 2 mètres. Hein. Ah, ah oui, ça fait au moins 2 fois 1 mètre. Il n'y a pas d'équipe de... Est-ce qu'il y a une équipe de basket des sapeurs-pompiers? J'allais le dire, parce que là, pour le coup... On mesure 2 mètres, on peut pas être sapeur-pompier. Ça fait un peu géant, 2 mètres en même temps. Hein. Là, on a combien? 48? Peu importe. On parle pas d'argent entre nous. Ouais. Là, ce qui compte, c'est d'arriver aux 48 000. Ça sert à rien de prendre le public, soit de parler de tout. Moi, je ne connais pas de sapeur-pompier femme, maintenant. Non, je pense que c'est... Ça serait une discrimination, tu as raison. 2 mètres, c'est une bonne idée. Sauf que si on perd, qu'est-ce qui se passe pour nous, monsieur? On rentre à 1500. L'opprobre sur... L'opprobre. Sur nous. C'est votre dernier mot? Il faut arrêter, hein, c'est votre con. C'est votre dernier mot? De quoi? 2 mètres. 2 mètres. C'est le dernier mot de monsieur de Chavannes. Je fais bien, non? Non. De moins en moins bien. Bah oui. Mais pas bien, non. Vous devriez me donner des cours. Pour être sapeur-pompier de Paris, on peut avoir 18 ans, on peut ne pas avoir le bac. On peut être une femme. En effet, bonne réponse. Oh. Bonne réponse. Il faut mesurer entre 1,60 et 1,96. Entre 1,60 et 1,96. Je ne connais pas les raisons. Ah, on ne peut pas faire moins d'un mètre 60 non plus. Non. Peut-être des raisons pratiques. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Technique. Technique. Tout ouais, simplement sûrement. Technique. En tout cas, bravo, bien joué. 48 000 euros. Bravo, merci, messieurs. Merci. Sauf que c'est quoi? C'est un palier? C'est un palier, là. Cette somme est définitivement acquise à la cause du SIDAction. Ah, formidable. Il reste 5 questions pour atteindre le million. Oui. Voici celle qui vaut 72 000 euros. Il vous reste toujours le joker. Quelle est la somme à laquelle nous sommes heurtés la dernière fois? 100 000, oui. Quel cinéaste a tourné un film sous le pseudonyme d'Hervé Picard? Quel film? Ah, c'est pas le Commando Cousteau? Non. Claude Chabrol. Cinéaste. Claude Autant-Lara. Claude Miller. Claude Lelouch. Un cinéaste a tourné un film sous le pseudonyme d'Hervé Picard. Donc ce n'est pas le commandant Cousteau. Donc, le je crois film... que Roman de Gard, Claude Lelouch, n'avait pas donné son nom au départ pour perdre un peu la critique. Ouais. Pour que la critique ne dise pas c'est encore un Lelouch, etc. Un Chabrol, tu dis. Non, Lelouch, Roman de Gard. Roman de Gard. Maintenant, est-ce que c'était Hervé Picard? J'en sais rien du tout. Alors écoutez, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Parce que le Chabrol, non. Chabrol, il a toujours signé Chabrol, même les... Hein? Ça date de quand? Roman de Gard, c'est pas vieux. Enfin, ça a 5-6 ans. Il n'a pas signé Lelouch. Au départ, il n'a pas signé Lelouch jusqu'à... Pour que les... Il a fait croire qu'il produisait le film. Uh-huh. Mais il n'a pas dit que c'était au départ lui qui l'avait tourné. Donc ça pourrait être ça, mais c'est pas Chabrol. Chabrol, il a toujours signé Chabrol, même en s'amusant. Autant-Lara, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas signé Claude Autant-Lara. Oui, il a assumé pas mal de choses, Autant-Lara. Oui. Oui. Je sais pas. Il n'y a pas de risque. Aucun. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Je sais pas. S'il y a un cinéaste dont Patrice sait qu'il a...
sais qu'à un moment, il a fait croire que c'était quelqu'un d'autre qui faisait le film. Ouais, puis il y avait mieux là aussi. Non, le louche. Que faites-vous, le louche? D'accord, c'est votre dernier mot. Oui. C'est un cinéaste qui a essuyé un échec avec son film précédent. Qui s'appelait le film, c'est pas. Et pour tourner Roman de Gare, il s'est appelé Hervé Picard, Claude Debout. Ah. Bravo. Ouais, bravo, bravo. Finalement, il le présentera en 2007 à Cannes sous son vrai nom, mais vous avez raison, bravo, au départ il s'est dit, je vais faire un micro critique, voilà. Bien joué, bravo. Super, monsieur. Bien joué, Patrice. Bien joué tous les deux, 72 000 euros. H.4. Cette question vaut 100 000 euros. En France, dans un jeu de belote. Peut-être que le public joue à la belote. Quel roi tient traditionnellement une épée? Si vous faites appel au public, ne dites rien. Tais-toi deux secondes, s'il te plaît. Quel roi tient traditionnellement une épée? Le roi de trèfle. Le roi de pique. Le roi de carreau ou le roi de cœur? Est-ce qu'on y va directement avec le public? À vos télécommandes, Joker, s'il vous plaît, public. En France, dans un jeu de belote. Quel roi? Ceux qui jouent à la belote seulement, aux cartes. Non. Dans un jeu de cartes de belote. Ah oui, c'est les mêmes, oui, c'est pareil. Quel roi tient traditionnellement une épée? Si vous ne jouez pas au jeu de cartes, ne jouez pas, s'il vous plaît. A, le roi de trèfle, B, le roi de pique, c'est le roi de carreau, D, le roi de cœur. Vous jouez maintenant, bonne chance, merci. Alors 42% du public votant nous dit roi de pique. 15% trèfle, 16% carreau. Ah oui, attends. Parce que si on répond, on redescend à 48. Hein. Oui. C'est pas un peu bête. Donc vous pouvez, si vous êtes sûr du coup, jouer, sinon vous arrêtez à 72. On n'est pas sûr du coup, hein. Non, parce qu'on hésite entre le pic et le cœur. Ça dit 42, oui. 42, c'est une belle... Vous qui avez plus l'habitude du vote du public, est-ce qu'en général... C'est assez réparti, ça, hein. Voilà. C'est assez réparti. On peut voter à 60% et se tromper. Mm-hmm. Ah, ouais. On peut voter à 20% et gagner. Donc, il n'y a pas de règle très précise. Non, c'est vrai qu'on dit pic, ce qui pique, c'est l'épée, donc c'est logique. Mais il me semble que le roi de cœur, parce que le roi de cœur pourrait transpercer le cœur. Oui, il peut se... Ou le cœur, ça a dulciné, je ne sais pas. On va pas prendre un risque. On descend à combien? 48. 48. Pour garder 72, non? Bah ouais. Vaut mieux garder. Si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux garder. C'est clair. J'ai pas de carte sur moi. Ça fait 14 000 euros d'écart, c'est pas rien, 14 c'est 000 large. Euros. Mmh. Écoute. On n'arrivera pas à passer ces 72 000 dans cette émission. Si, on a fait 100 000 là. Ah bon, d'accord. C'est ça qui est dommage. Il faudrait refaire pour confirmer. Alors que faites-vous, Christophe et Patrice? Dites-moi. On aurait dit le roi de cœur, non? Mais on ne le dira peut-être pas. D'accord. Parce que le trèfle, comment ils sont, les salopards? Putain. Et roi qui prend? Dis ça, là, bleu. Mais... Moi, je dirais plus le roi de cœur, mais... Hein? Je dirais le roi de cœur, ouais, mais... Moi aussi. Je crois, oui. Un grand bravo en tout cas pour les 72 000 euros que vous offrez à la cause du CID Action. C'est une somme magnifique. Alors que de votre côté, vous pouvez faire des dons en appelant le 110. Voici la réponse. Alors, celui, vous m'auriez dit quoi, pique le cœur. Moi, j'aurais dit carreau. J'aurais dit le roi de cœur. C'est le roi de cœur. Ah oh. Inspiré de Charlemagne. Ce roi de cœur, Charles, est inspiré de Charlemagne. Pique et trèfle, un sceptre, et le roi de carreau, il tient à rien du tout. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci. Merci. Et 72 000 euros, oui, bien sûr. Deux bons sur les préservatifs à 2 euros. De plus en plus de pharmacies sont équipées. Si jamais votre pharmacien n'a pas de préservatif à 2 euros la boîte, oui, à 20 centimes, vous pouvez toujours changer de pharmacie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est dit. Non, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À bientôt. Salut. Salut, Patrice.